Salut les amis, aujourd'hui on est dans un petit coin sympa, on est parti à Montrieux, dans le Schnorr, et une petite balade qui va faire mal aux cuisses encore. Hein. Et les Shadok pompés. Allô, John. Ça va rouler, tu crois? Ils sont là. Allez, c'est parti, on est dans la montée. On commence par un petit peu de goudron, après on récupère la DSCI. On va passer devant la chartreuse. Première connerie de ma part, j'ai oublié de charger la batterie du dérailleur. Du coup, niqué. Heureusement que j'ai la tige de sel, j'ai piqué la batterie, il va falloir que je fasse le yo-yo des deux. Si ça me gonfle pas et que je fasse pas demi-tour. Et la chartreuse de la Verne, elle est là. Allez, on a regagné nos singles. Et Montrieux, pour ça, c'est très très joli, très agréable à rouler, et à la fin on va avoir des descentes aussi à la hauteur de notre effort. Bref, c'est un petit coin de paradis, je trouve, pour faire du vélo. Bon, mais toujours aussi cardio ce petit single, magnifique mais cardio, petit single montant avec quelques portions de toute petite descente, mais qui a fait monter de suite dans le vif du sujet. Fait du bien, puis il fait bon, en plus on est à l'ombre, donc c'est le top. Bon, Patrick, quoi? Oh, tu me fais chier là. Je t'entendais plus. Les deux, ils font que de s'avoiner. Ça y est, parti. Petite montée tranquille là. Non, je peux même pas me tranquille. T'es obligé d'avoir un rythme soutenu. Le train-train, les aiguilles de Valbel, elles sont pas belles. Qui est en l'air, du coup je peux pas la baisser. Ah, ça va tout seul. C'est magnifique ce type de rien. Allez, c'était pas si mal que ça. Allez, premier point de vue. Ah, j'ai envie de l'ordre dans ce petit single un peu plus loin. Voilà, pas la tige de sel qui descend. Mais c'est bon. Hop là! La main! Voilà.
fait tout droit. Yeah man. Eh ben plus dur aujourd'hui que la semaine dernière. Je me fais déboîter. J'arrive pas à suivre. Je suis mort clinique. Et on a fait quoi? 11 bornes, 471 mètres de dénivelé. On est loin de l'arrivée. Là, il va y avoir un coup de pétard de notre monde. Je crois qu'il va me tuer celui-là. Il va me finir. Allez, on est dedans. C'est là qu'on meurt. Bon, à tout à l'heure. Et pratiquement comme toujours, on essaye de la finir à pied. Et un peu plus. Allez, on est reparti sur le vélo. Et même là, c'est pas fini. Il y a des petits passages à la con. Ouf. Pour continuer à grimper. Mauvais temps pour les roues. Je vous le dis, moi. Ça descendouille un peu, on le prend, même si c'est large, hein. C'est cadeau. Et voilà. Et c'est pas gagné l'histoire. Maintenant, il va falloir encore pédaler. Encore et encore avant d'arriver à la première et vraie descente. Un petit peu technique, on va pouvoir s'amuser si la fatigue et le dos me le permettent. Et ça monte toujours et je reste toujours pas accroché. Je pédale pour dire que je pédale. Je crois que je pousserai le vélo, j'irai plus vite. Ah, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, mais j'espère que pour vous c'est moins dur. Hein. Là, ça fait mal au moral en plus de faire mal physiquement. Bon, les copains, ils sont là. Moi, je continue par la route où je vais prendre le petit single là à côté parce que je filtre un petit peu là pour le dos parce que j'en peux plus. Je suis en PLS. Donc, on va y aller plus tranquillou. On va y aller plus tranquille. Go, go, go! Allez, ça pédale toujours. Toujours pareil. Au descente. Sniff. On s'accroche, on s'accroche. Comme vous pouvez le voir par contre, on est toujours dans des petits singles en majorité. Et super, en sous-bois. Regarde, c'est magnifique. C'est des paysans, ça fait du bien. Bon voilà, j'ai fait échange de batterie, j'ai mis sur la tige de sel pour pouvoir la baisser et là c'est parti pour la première vraie descente bien technique. Allez, on n'est pas tombé, même si on a dû s'arrêter, c'est bien. On a le babanator devant. Bon, c'est pas les descentes qui préfèrent le plus. Mais il les fait. C'est tout à son honneur. Bon, quand tu peux, t'inquiète. Ah.
comme vous pouvez le voir, bien sympa. On a le temps de visiter un peu. Là, on va replonger dans une partie un petit peu plus technique. Bouge pas, Baba. Merci, Baba. Allez, c'est parti. Alors, je vous promets pas de faire des folies avec la fatigue et le mal de dos. Aujourd'hui, il est bien sèche. La première fois qu'on l'a prise, elle était trempée, c'était plus délicat. Donc, c'est la première fois que je la fais avec le gros amorteau. Derrière. Et si l'avant il tient, derrière, ça devrait être beaucoup mieux. C'est pour ça que t'as un chien en montée, tu vois. Pour ce genre de descente, après, pour bien t'amuser. Ah, il y a les bouchons. Allez, ça repart. Voilà, quand tu vois que t'as pas de physique, c'est les bras qui me manquent là. Ça commence à me faire mal au niveau des épaules. Je lâche pas parce que je viens en arrière. Aïe. Je me suis filé un coup de pneu dans le cul. Pas tout devant. Une pensée pour lui. Il est en rigide. Il n'a pas d'amortisseur et il fait ça comme nous. Moi je dis que ça c'est des vrais guerriers. Alors par contre j'ai l'impression qu'on a passé la première partie déjà et elle a été lissée quand même. Elle était plus dure avant. Oh, attention la branche c'était trop tard. Il y a du monde dans ces sentiers quand même. Ça bouge au masse un peu. Allez. Un petit peu détendu sur les genoux et on gomme en même temps les aspérités. Allez, go, go, go! Ça, c'est parce que je les ai fait attendre en montée. Comme je les ai fait attendre en montée, ils me font attendre en descente. Celle-là, elle est toujours autant magnifique de descendre. Et en plus, elle est bien sèche. Plus de grippe. C'est bien mieux. Et voilà, les amis. C'est fait. Elle était pas bonne. Bah, bah, bah. Fini, on a eu que de la montée sur la vidéo au départ. Maintenant, on va avoir que de la descente. Celui-là aussi, il est un peu plus rapide. Un peu moins pentu. Oh là, il faut toujours faire gaffe au trou, je ne me rappelais plus. Et voilà, là ça remonte un petit peu et ça redescend de suite. Là c'est du pur bonheur. Et voilà, voilà. Maintenant on va repédaler un petit peu jusqu'à la prochaine. Allez, c'est reparti en direction de la dernière.
que je sais pas si je vais prendre pour le moment. On va voir. Bon, ils sont là. Moi, j'ai triché. J'ai pris la DLCI pour m'enlever le petit bout qui monte à la courbe. Moi, j'ai pu monter tranquillement à mon rythme. Et je vais les récupérer un petit peu plus loin. Et tant pis, on va essayer de faire cette dernière descente. On verra bien. Au pire, il y a encore moyen de tirer tout droit après. Donc, on verra. Bon, alors, je sais pas si vous vous rappelez, là on est revenu sur le petit single qu'on a fait du coup en sens inverse tout au départ, où ça montait un petit peu. Et là on va se le choper en descente. C'est parti qui monte. Enfin, ça va descendre un petit peu, remonter par endroit. Il est bien cardio, mais tu vois. Toujours des petites descentes là. Bien sympa. Là j'ai pas descendu la selle. Je suis vraiment pas à l'aise. Quand la selle n'est pas descendue, c'est impressionnant. Et là, ça va remonter peut-être un petit peu, je sais plus, c'est tout. Deux petits passages techniques, sans celle qui descend. Bon, oh, ça devrait gazer quand même. Ouais. Et les doigts dans le nez pour l'instant. Et la deuxième, si je ne me trompe pas, est moins raide. Ouais, ça va. Là, le fond le sang. Maintenant, on va se taper un petit peu plus loin, une petite portion raide. Et après, ça devrait être plus tranquille jusqu'à la descente. Allez, bim. Allez, là. Et j'ai bien envie de la faire sur le vélo, malgré la fatigue. Impeccable. C'est fait. Ah, je suis content. Oh, fin de sortie, ça c'est une petite victoire. C'est top. Et dans la dernière, vous allez voir, elle est super sympa quoi. Super sympa aussi. Merci à ceux qui passent du temps à les nettoyer. Merci à ceux qui passent aussi du temps à mettre des branches au travers pour pas qu'on passe. C'est vu du chat et la souris, c'est comme ça. Oh putain! Attention, petit front là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment, c'est vraiment la régalade. Encore une fois, un petit peu moins technique que la première, plus des virolos, plus là, ça glisse pas, c'est le top. Simply the best. Yes. Oui. Bon, il n'y en a pas un qui veut aller sur la vignette. Hein. Joli. Allez, mon petit chat. Hop là. Oui. Et c'est reparti cette fois-ci, par contre, en pédale un petit peu pour aller rejoindre la deuxième partie. C'est celle-là que je redoutais un petit peu. Du coup. Bon, ça va se faire tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Vous allez voir, la deuxième partie, elle est tout aussi sympa. C'est parti, deuxième partie, je fais des rimes. Allez, mon petit Pascal. Pascal, c'est notre traceur, il connaît toutes les drails dans tout le coin. Notre retraité d'amour, un tueur à gages sur le vélo.
Et là, il y a la partie technique. Dernière fois, je me suis pété la binouze. On va laisser passer. Ça fait moins peur aujourd'hui. C'est pas mouillé. La dernière fois, vautré comme une merde. Mais je t'avoue que quand même, j'ai une petite appréhension de la passer. Quand tu es tombé une fois à un endroit, ben, tu réfléchis quand tu en reviens à nouveau. Surtout qu'il est, quand même assez costaud ce passage. Allez, tout en glisse comme Pascal. Et on a terminé. Bon, mais voilà, arrivé directement en voiture. Le petit coup qui va bien pour finir la sortie. Eh ben, dur, dur, elle a été faite jusqu'au bout grâce aux copains. Parce que c'est eux qui m'ont tiré jusqu'au bout et qui m'ont attendu. Je voulais couper, mais ils m'ont soutenu, j'ai envie de dire. Bon, allez, je vous souhaite un bon dimanche et j'espère que vous vous êtes régalés aussi en vélo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.